Salut bande de microbes suceurs de tabouret qui lèchent leur orteil! Vous voulez qu'on commence? 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 Mais oui, vous voulez qu'on commence? Eh ben, on va commencer alors! Et donc, oui, donc, on va se mettre, on va se remettre comme il faut, hop là! Et alors, on avait prévu de faire Merde! Enfin, ouais, l'automatisation des mobs. Comme vous avez pu le voir, il n'y a plus d'arbres. Ouais, saleté d'arbres. Sérieusement, c'est un truc de malade. J'en ai mis du temps avant de le casser. Hein, Alors, voilà, ça c'est tout ce qu'on a besoin. J'ai essayé de faire ça assez. De ranger un peu tout ça parce que. Bah, à chaque fois, c'est fait à l'arrache et à chaque fois, je galère. Ça, c'est des trucs que j'ai reçus, encore. J'ai pas ouvert. Enfin, si, j'ai ouvert, mais comme j'ai vu que c'était des trucs assez cool, je les ai laissés. Eh ben, on va commencer, alors. Hein. Hop, 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 hop. On va mettre tout ça de côté. Oui, par contre... Je vais commencer par le haut, comme ça, les mobs, ils pourront pas spawn. Parce que je vais devoir détruire tout ça. Alors, on va se mettre ça de côté. Hop. Hop, hop. Je le garde dans cet ordre en fait. Bon, ça m'a gavé. Hop. Je le garde dans cet ordre parce que, bah, évidemment, c'est vraiment ce que j'ai besoin pour faire ce qu'il faut. Donc, tac et tac. Voilà. Pas l'épée, hein. Donc, on va tuer tout ça. Quoique remarque, ça spawn pas si je suis à côté, hein, donc il n'y a pas de souci à se faire. Toi tu meurs, voilà. J'ai une hache, c'est bon. Allez, on va détruire. Wouhou! Bon voilà, pas besoin de tout casser non plus. On va faire... alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir... déjà, on va aller à la table de craft. Hop là, hop là, hop là. Hop là, on est arrivé. Donc j'ai pas tout cassé hein, parce que voilà, il y a encore la lune qui me dit coucou, là, salut. Et qu'est-ce qu'il va me falloir faire? Alors je vais vous montrer. Hop, 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 hop. Il va me falloir faire des fans. Alors, les fans, c'est des ventilateurs. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait le petit bonjour de tout à l'heure. Voilà. Alors, des fans, il va m'en falloir, si je me souviens bien, 4. 4. Et d'ailleurs, j'ai pas pris assez de... Hop. Non. J'ai farmé un peu, hein, comme vous avez pu le voir. Alors, comment c'était? C'était comme ça et comme ça. Voilà, 4 ventilateurs. Youhou! Ensuite, il va me falloir faire des spikes. Donc des pics. Voilà, en fer parce que en bois, ça ne tue pas les mobs, en fait. Donc En fer, ça tue les mobs et une fois qu'ils sont au-dessus, ils perdent des points de vie petit à petit jusqu'à mourir. Iron Spike. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai dû farmer masse de fer. C'était très 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 long. On va laisser ça, voilà, comme ça.
Alors, hop. En soi, une seule spike, ça suffit. Parce que, enfin, une seule spike. Un seul craft, parce qu'on en reçoit 4 et 4, c'est largement suffisant. Après ça, j'avais besoin de faire si. Comment ça s'appelle? Je me souviens plus. Je ne me souviens plus. Non, c'est pas ça. Hop, c'est ça que je veux faire. Voilà. On va regarder, hein. Non, c'était U. Voilà. Alors, c'était peut-être ça là. Oui, c'était ça. Vacuum Hopper. Un obsidienne, un hopper et un Eye of Ender. Oui, alors que je me rappelle comment on fait le hopper. Oui, bah c'est facile le hopper, c'est vrai. Voilà. Donc il me faut un chest. 1, 2, 3, 4, 5. Et nous avons notre hopper. Ensuite, il y avait l'Eye of Ender. Voilà, l'Eye of Ender. Et ensuite, on pouvait faire notre vacuum. What? C'est pas ça. Si, c'est ça. Non, c'est pas ça. Merde. Bah alors. Vacuum Hopper, oui, c'est. Bah écoutez. Il n'a pas voulu me le montrer. Bon, bah ça aussi, c'était pas. Enfin, il fallait du faire, quoi. Hein, toujours, encore. Et nous avons notre vacuum hopper. Donc, je vais vous montrer tout ça, hein, petit à petit, comment ça marche. J'ai pas besoin de vous expliquer. Vous allez voir tout de suite. Alors, on va commencer déjà par mettre notre fan. C'est pas un fan. J'ai pas de fan moi, hein, donc vous me regardez, mais vous n'êtes pas fan de moi non plus, non? Alors on en met un ici, et je dis des conneries, il faut d'abord mettre un bloc. Ouf, j'ai cru que ça allait pas se casser. Alors, on va mettre le bloc. Touc. Le fan, ici, bien droit. Parce que selon... regardez, hein, selon la façon dont on le pose... Voilà. Il sera positionné. Donc on le casse, on le met bien droit. Hop là, c'est pas facile non plus. Voilà. On casse en dessous. Tuc. Et on pose le deuxième ici. Voilà. Ça fait deux fans. Ouais. Les abonnés se rajoutent du coup. Non, c'est pas ça que je veux faire. D'ailleurs, en soi, j'ai dit des conneries. J'ai dit des conneries puisque on va faire à deux. Ah, d'ailleurs, est-ce que ça va me suffire? Ah! C'est con, je sais pas si j'ai assez de fans en fait. Bon, on va essayer à deux et ça suffira. On va les mettre en bas par contre parce que... Fuck. What? J'ai eu peur, j'ai cru que je l'avais pas récupéré. Voilà. On va le mettre ici. Je sais pas si ça suffira, on verra. Et on va mettre une nouvelle plateforme. Hein. Voilà. Bon, je sais pas si ça... Je sais pas jusqu'où ça va aller, on va voir. On va voir ça ensemble. Alors pourquoi mettre une deuxième plateforme? Déjà parce qu'on n'aura plus à récupérer le stuff, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et parce que bah, on avait zappé. Enfin j'avais zappé. Mais il y a des araignées qui peuvent spawn aussi. Et les araignées, ils spawnent sur deux, donc c'était problématique. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté, mais pour l'instant on va rester là, comme ça. Je vais fermer derrière. Voilà. On va mettre des leviers.
fait des leviers déjà, je me rappelle plus. The base de Minecraft et je sais plus faire. Ah, quand on a autant de mods, on en devient dépendant. Ouais, c'est vrai que c'est en anglais. Ah là, levier. Une cobble et un stick, ah oui, c'est ça. Donc il n'y avait pas d'histoire de stone. Voilà. Il va m'en falloir 4. Et des sticks, pareil, 4. Voilà, des leviers. Bon, c'est pas très beau les leviers, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas la beauté qui compte, hein. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Entre autres, c'est exactement ça. Donc on va faire. Hop, on va activer. Voilà. Et vous voyez que ça marche et ça me repousse. Ah! Et ça va faire la même chose pour les mobs. Alors moi, en forçant, je peux y arriver. Il va falloir que je vois combien de blocs. Oh, au milieu, ça pousse pas. Il va falloir combien de blo... que je vois combien de blocs ça pousse. Donc voilà, à peu près ici, hein, on va dire. Ici, même ici. J'ai pas besoin de faire un grand truc non plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 après. 7 après les fans. Donc ok, on va marquer ça. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc on va faire nos. Spike ici. Alors on va positionner nos spikes ici en fait. Hop là. 4 spikes. 1, 2, 3, 4. Ouais, super. Aïe, 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 aïe. C'est contre les mobs ça, c'est pas contre moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et là. Hop. Donc là, il va y avoir les fans, hein, normalement, c'est ça. Voilà. Donc si j'ai tout bon, c'est symétrique. On va dire que oui. Au pire, pas besoin de faire un truc super symétrique non plus. Voilà. On met nos leviers. Tac, tac. J'ai pas besoin de l'allumer, donc je vais l'éteindre avant de tomber dans le trou, là, par exemple. Voilà. Et on va fermer tout ça. D'ailleurs, il me faut un coffre. C'est là-bas les coffres. Il m'en faut deux. Tuc, 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 tuc. Voilà, deux. Deux petits coffres. Alors, vous allez voir pourquoi les deux coffres. Hein. Je sais plus si c'est un bloc transparent, le coffre. Donc, il faut fermer ici. Hein, parce que sinon... Voilà. Sinon, la lumière passe à travers les pics. Et c'est pas une bonne chose. Je sais plus. On va voir. Je vais voir si c'est un bloc transparent. Je me rappelle plus. Dans le pire des cas, on enlèvera. Hop. Voilà, on rebouche. Bon, ça sera serré hein, pour passer, mais il n'y a pas besoin de, y a pas besoin d'énormément d'espace non plus. Allez, je finis ça et on se retrouve à l'intérieur. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. On va rentrer à l'intérieur. Et on va vérifier que tout fonctionne. Alors, si je ferme. Oui, non, c'est pas du tout fermé. Donc, le coffre, il va falloir que je fasse quelque chose pour ça. Il va falloir que je fasse en sorte qu'on puisse l'ouvrir de dehors quand même. Enfin, on verra ça après. Pour l'instant, je vais bloquer les spikes, histoire de ne pas me faire mal. Et je vais poser
Le vacuum hopper. Alors, le vacuum hopper, comment ça marche? Alors, voilà. Hop là. Donc, vous allez dans item output, et là, en fait, c'est là où tous les items vont sortir. Donc, bon, c'est assez chiant à avoir. Donc là, c'est la face, je crois, et ça, c'est le dessous. Donc, un clic gauche dessus, et ça fait un petit espace pour passer. Et là, c'est pareil, mais avec l'expérience. Le problème, c'est que comme c'est des spikes, il n'y aura pas d'expérience, donc... Donc voilà. Par contre, pour l'expérience, si vous voulez le faire, il faut le refaire, hein, parce que si vous regardez, hop là, ça va faire une deuxième marque en vert. Mais je vais l'enlever parce que ça sert à rien. Et maintenant, si vous regardez, hop, je vais jeter ça par exemple, ici. Hop là, il est aspiré par le vacuum hopper. Et ensuite, évidemment, le coffre, je ne peux pas le prendre. Voilà. Et ensuite, il est dans le coffre. Et nous avons notre système en place. Il suffit juste de fermer. Donc, on va casser ça parce que faut bien que les mobs meurent, sinon c'est la merde. Par où j'étais entré? What? Ah, j'avais refermé derrière moi. Bon, on va passer par là. Voilà. Alors, on va fermer ça, ça. Du coup, ici, il ne faut pas refermer, justement, pour pouvoir prendre ça. Et là, comment on va faire? Bah, écoutez, on va faire comme ça. On va mettre une dalle ici. Une dalle ici, ça, j'ai pas besoin. Et normalement, c'est fermé entièrement. On peut y accéder. Et vous voyez que c'est bien rouge, hein. Façon de vérifier, encore une fois, hop. Voilà, hop, on ferme et tout est rouge, ça veut dire que ça va pop. On verra le résultat quand tu auras du stuff. Hein, pour l'instant, il n'y a rien, mais en tout cas, c'est très bien comme ça. Là, on peut accéder au coffre et on peut tout accéder. Une bonne chose de faite. Ah, par contre, si j'active pas, n'oubliez pas, hein, il faut activer les fans, sinon. Ah, déjà, on entend. On en entend qui ont un peu mal. C'est que ça fonctionne. Malheureusement, on ne peut pas voir. À moins que je mette des vitres et encore non, ça laisse passer la lumière, donc c'est mort. Mais bon, ça marche, c'est le principal. Ensuite, j'avais agrandi ici aussi. Parce que j'avais envie de faire du Tinker Construct. Puis de toute façon, je crois qu'ils me disent d'en faire. Voilà, make Tinker Construct Smeltery for Processing Ore. Je compte le faire. D'ailleurs, hop là, upgrade your monster farm. Donc, je voulais le faire et j'ai agrandi du coup la plateforme. J'ai fait aussi une petite maison ici parce qu'il m'a fallu plein de fer comme vous avez pu le voir. Et que à l'intérieur, j'ai mis, je vais aller voir ça, hop. Bon, malheureusement, c'est obscur, donc il y a des mobs qui peuvent spawn. C'est pour ça que j'ai mis des petites trappes d'or. Et ici, Iron... Merde. Pas ça que je voulais faire. Iron Obery. Aïe. Alors, ça fait mal. Donc, faut pas s'approcher. Et dedans, donc, ça fait Iron Obery. Et au bout de 8, ça fait un lingot. Ouais! Mais comme j'ai eu du mal à le farmer, le truc, j'ai laissé comme ça. Ensuite, il y a eu la petite vache, là. Ouais, bonjour, la petite vache. Et bonjour. C'est une fluide co, donc j'ai trouvé ça super bizarre. Et apparemment, quand on prend, c'est pas du lait qui tombe, mais de la redstone liquide. Donc je sais pas comment ça marche, mais je l'ai gardé ici, on dirait du sang. Et donc, on va s'attaquer à Tinker Construct. Alors, on va remettre ça, parce que ça me gênait tout à l'heure, là. Alors, il faut chercher la smelterie. Hein. Donc, comme l'autre, j'ai déjà farmé le matériel parce que c'est long et que vous n'avez pas besoin de voir ça.
Il me faut donc de. Alors, il va me falloir ici un smeltery contrôleur. Deux smeltery drain. En fait, un, ça suffit, mais je vais en prendre deux. Pour pouvoir avoir et le casting table et le casting bassin. Donc, il va me falloir ça aussi. Il va me falloir deux seared faucets. Et je sais plus combien de seared brick, mais on verra ça après. Alors, hop là, j'ai tout ici. Voilà, comme vous avez pu voir, hein, hop là, 64 graviers et encore un peu plus. 20 clés, de la vitre, ça c'est simple. Et encore un stack et demi de sable. Ce qui m'a mis un peu de temps à farmer tout ça. Bon, pas longtemps, longtemps, mais disons qu'il m'a fallu 3-4 stone hammer pour pouvoir le faire. Alors, je vais chercher de quoi mettre l'eau au sol. C'est ça que je veux. Voilà. Touk, 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 touk. Touk, 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 touk. On va faire ça un petit peu assez beau quand même. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, 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 non. Bah, c'est pas grave, on va faire comme ça. Si, en soi, c'est ça que je veux faire, oui. Pourquoi pas. Je voulais faire avec l'autre, mais c'est bon aussi. Voilà, hop là, du sable. Du sable. Des slabs, pardon. Ok, j'ai plus rien à. Toujours mon bucket. Hop là, on va remplir de lave, puisque j'ai la lave pour l'instant à peu près infinie. Et donc, on va faire une petite plateforme ici. Voilà. Ah, fake, c'est vrai. Non, pas que. Oui, si je fais ça avec une. Est-ce que je peux casser avec le marteau? Non! Bon, on va prendre la pioche. Hop, hop. Et j'ai pas de pioche, t'es sérieux? Hop. 1, 2, 3. Fuck. Voilà, une pioche. Alors. On va casser, on va faire un trou, hein. En essayant de pas tomber, parce que j'ai pas envie de mourir non plus. Voilà, on peut commencer du coup là. Hop là. Là, 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 là. La smelterie. Alors on va regarder comment il faut. Ah oui. Ah oui. Je vous avais laissé tout ça pour pouvoir vous montrer comment faire. Donc, hop, on va mettre ça hop, ici comme ça. Et on va récupérer tout ça. Ta, 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 ta. Voilà, joli, joli. Alors, comment on fait tout ça? Donc, smelterie, il va me falloir masse de ça. Hein. J'avais regardé, attendez, 2 secondes. J'avais fait mes calculs sur un papier. Hein, parce que voilà. Il va me falloir 14 clés, 56 graviers. Ouais, non, c'est peut-être pas ça en fait. J'ai fait n'importe quoi dans mes calculs. Alors, comment on fait? Oui, seaweed. Il faut cuire du groot. Alors, comment on fait le groot? 8, voilà, c'est ça. C'est ça que j'ai farmé en fait. C'est 4 sables, 4 graviers et pour une clé. Donc, on va faire ça. Hein. Merde, c'est dans quel ordre? J'ai pas regardé en fait. Tout, 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 voilà. Hop. Donc, c'était le gravier là. Hop. Bon, on va tout faire. Hein. Voilà, c'est pas grave si j'en ai trop. J'espère en avoir trop d'ailleurs, sinon ça veut dire que j'en ai pas assez. Ah, fuck! Donc ça va me faire. Ah, pas mal quand même. Qu'il va falloir faire tout cuire. Hein. Bon, hop, toi tu dégages. Je vais peut-être faire un autre four du coup, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Voilà.
Et une petite nouveauté que j'ai vue aussi. Non, c'est pas ça. C'est ça, voilà. Avec des slabs de cobblestone, on peut faire un four aussi. Un four en slab. C'est intéressant quand même. Parce que déjà, les mobs, ils peuvent pas spawn dessus. Et en plus, ça prend beaucoup moins de place. Par contre, je vais le mettre où? Tiens, je vais te casser, toi. Vas-y. Attends, je vais récupérer ça d'abord. Hop, voilà. Comme ça, je vais mettre deux fours les uns sur les autres. Celui-là, en soi, on n'en a plus besoin. Et hop, voilà. Tac, tac, tac. Un petit four en plus. Hop là. Les deux, on va les poser là. Est-ce qu'on peut les poser un sur l'autre? Ah non, on ne peut pas les poser les uns sur les autres. D'accord. C'est dommage. Du coup, c'est pas beau. On va les mettre. Bah tiens, pourquoi on les met au-dessus comme ça spawn pas ici. De toute façon, je crois que je vais l'enlever ça en plus. Je vais le déplacer parce que c'est pas très bien ici. Voilà, nickel. Alors, il va falloir que je cherche de la lave. On met ici, on fait le Groot. Hop. Et je vous dis à tout de suite quand ça aura cuit. Bon, il pleut, hein, malheureusement. Faisons un petit tour du côté de la ferme à mob, hein, pour voir si ça marche bien ou pas. Attention, suspense. C'était mes jambes. Et ça marche bien! Regardez. Oh là là! Tiens, on va les ouvrir ces trucs. Le reste, je le laisse ici, mais pour ça, je vais les ouvrir. Tiens. J'avais ceux-là aussi. Voilà. Uncommon loot bag. D'ailleurs, je crois qu'on peut. Fais voir si on fait ça. Ah oui, on peut les transformer. Et comme j'ai vu que je peux les ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, ah, c'est pas mal ça, c'est pas con. Donc s'il y a des trucs qui m'intéressent pas, je les garderai. Hop là. Oh, ça a l'air d'être intéressant. Je vais prendre tout ça. Nether Quartz, Certus, pas mal. Bacon Bag. Ah, du cochon, c'est bien ça, j'avais pas de bouffe donc. Voilà, ça c'est ce qu'il y avait dans le coffre que j'avais vu mais que j'avais pas gardé. Une Ender! The Ender! Je sais pas à quoi elle sert. 6 de damage, 6 de damage. Bon, je sais pas si elle est mieux ou pas. Ouah, non, 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 non! Oh, ce fail! Ce fail! Ce fail! Bon, ben on verra pas, hein, écoutez! Fuck! Oh mon dieu, j'y crois pas. Il y avait ça aussi. Donc pour l'instant, je sais pas à quoi ça sert. Mais on verra ça à Under.io. On verra ça le moment venu. Ça, miniature. Crafting item. Ah, d'accord. Ça va être intéressant plus tard. Bon, en fait, tout va être intéressant. Hein, mais Iron Helmet, pas mal. Ender Lily Seed. Ouais. Bon, pour l'instant, il y a des trucs intéressants, donc je les garde pas, les sacs. Iron Sword, on s'en fout. Du coup, Ender Lily Seed, je pense qu'on peut en avoir après. Allez, celui-là, je vais le garder. Je vais le mettre de côté, voilà. Non, celui-là, non. Parce que je n'ai pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Du fer. Et méga rubber. Alors ça, je me ferai pas avoir. Je suis sûr que c'est un grand arbre encore. Et il y a un musique disque aussi, c'est bien. Bon, voilà. Mais je me ferai pas avoir. J'ai pas envie que ça recommence comme tout à l'heure. Hein. Bon, pour l'instant, on va tout laisser ici. On verra ça une autre fois. Ça, je garde. Ça, je vais les laisser ici. Je rangerai tout un peu plus tard. Hop. Et le méga rubber aussi. Voilà, ça aussi. Ça, je vais me l'équiper, voilà. Et le fer, comme j'en ai beaucoup besoin, on va le mettre là-bas.
Ah oui, chose intéressante aussi que j'ai vue, puisque on a la ferme à mob. Petit passage, hein. Hop, 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 hop. Bonjour, petit zombie. Voilà, on va récupérer le tofu, le tofu bacon. Je sais pas si je vous l'avais montré. Je crois pas, hein. Mais regardez. En le mettant ici, paf. Ça marche! Donc on peut se faire de la terre illimitée avec la ferme à mob. Voilà, 26, on récupère ça, hop. Et on va pouvoir faire notre smelterie. Alors on avait dit un comme ça. Hop, hop, hop. Ouais! Achievement. Deux comme ça, on avait dit. Donc 1 et 2. Ah, j'ai eu un livre. Mighting Smelting. Tant mieux. On verra à quoi ça sert après. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire? Il y avait ça. Crafting Table. Le casting bassin. Donc c'est l'inverse de la crafting table, ok. Casting table, pardon. Deux comme ça. Et tout le reste, c'est série de briques. Et juste avant, il y avait... Ah non, il y a un tank aussi. Ah oui, si j'oublie le tank, ça va pas le faire. Ah merde! Ça, je sais pas à quoi ça sert, on verra plus tard. Sea Red Window. Keep any fluid it was when harvested. Ah, ça doit être la même chose que Sea Red Tank en fait. Par contre, non, c'est pas bon ce que j'ai fait. C'était pas des vitres comme ça qu'il me fallait. C'est des vitres comme ça. Une, ça suffit, donc c'est bon. Voilà. Alors, hop. Hop. J'ai assez, nickel. J'ai le Sea Red Tank. Et donc, si je calcule bien, attendez, je vais faire le calcul vite fait. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, 11. 11, 11 plus 9, 20. Donc il m'en faut encore. Il me faut 20 comme ça. 20 secret brick. Si je me trompe pas, hein, il y a des chances que je me trompe. Mais on verra ça. On verra. C'est pas très grave si je me trompe. Ok, c'est relativement simple. Bon, j'en ai déjà 9. On va poser les 9. Et on verra après le temps qu'on pose. Ça cuira. Alors pourquoi? Alors, il va me falloir faire un carré de 9. Si je me trompe pas. D'ailleurs, je vais casser ça. Parce que c'est le sol, on s'en fout. Carré de 9, donc 3 par 3. Hop. 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 Comment j'ai fait ça? Non, c'est plus là. Hein. Voilà, c'est plus comme ça. Ouais, j'ai fait n'importe quoi en fait. J'ai fait n'importe quoi. Voilà. Ok, bon, bah, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment fait n'importe quoi, c'est pas grave, on remettra tout ça en place. Voilà, c'est comme ça que je voulais faire. Donc on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, on a notre sol. On récupère ça. On récupère ça. On refait encore. Non, je fais n'importe quoi. Voilà. Hop là. 4, c'est pas grand-chose, mais c'est pas grave. Alors, il va me falloir
Ici, le smeltery contrôleur. Donc ici, ça sera le niveau de, enfin de, du fluide qui aura à l'intérieur. Et ici, ça sera l'énergie. À côté, nous allons mettre deux smeltery drain. Voilà. On va les mettre à côté parce que c'est mieux. Ici, on va mettre un tank. Le tank, vous pouvez le mettre n'importe où, hein, ça change pas. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Oui, je l'ai mis dans le bon sens. On le met ici, le tank. Et après, on complète. Hop. Voilà. Donc ça, c'est le minimum syndical, ce que je vous montre. Après, vous pouvez l'agrandir, ce qu'on va faire, mais plus tard. Parce qu'il y a une technique assez simple pour l'agrandir. C'est pas très beau, mais c'est plus simple que de farmer ce que je farmais tout à l'heure. Voilà, 4 de plus. Et ça suffira, 4. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ça s'est allumé. Et je peux positionner des blocs. Ensuite, si vous voulez l'agrandir, hop, vous mettez au-dessus et encore au-dessus si vous voulez encore plus l'agrandir. Mais pour l'instant, il n'y aura pas besoin. Donc voilà, c'est ça que je voulais faire. Hop. Hop. Et remarque ici, je peux. Voilà. Par contre, on n'oublie pas de mettre des torches. Ok, j'ai plus de torches, on va en faire. Voilà. 52 torches. On va les mettre ici. Parce que ça peut bien spawn ici. 1, 2, 3, 4. On va les mettre tous les 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il faut que ça reste un minimum beau quand même. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et tant pis pour lui. Hop, il va là. Voilà. 1, 2, 3, 4. Tuc, tuc, tuc. Et je pense que c'est bon. Non, c'est pas bon ici. Ici, ça peut. Oh, bah, on va mettre des torches ici. Voilà. Non, pas là. Voilà, ça peut plus spawn. On est tranquille. Du coup, je vais mettre une torche ici, tant qu'à faire. Voilà. Comme ça brûlera pas. Enfin, il n'y aura pas de mob. Ah! Problème. Où c'est qu'il a spawn, lui? Ah, je sais où c'est qu'il a spawn. Salut, sers-moi un verre, Jeffrey. Je sais où c'est qu'il a spawn. Bon, par contre, on va chercher. Hop, une slab. Deux, je crois. D'ailleurs. Tac, 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 tac. Voilà, il a spawn ici. Ah! Bon, par contre, ouais, voilà. Ok. Ah, fuck! C'est la merde. Bon. Comment je vais. Oh, une slab là. Qu'est-ce qu'elle fout là? C'est pas bon signe. Ça, par contre, hop là, récupère-les. Oui, nickel. Voilà. Alors, on va mettre ça ici. Ça devrait suffire pour sauter. Voilà. Fuck, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Wow! Non, 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 non. Je veux pas tomber. Voilà. C'est dangereux tout ça avec le vent là. Hop là. Voilà, on est bien. Voir un peu. Hop là, encore deux. Bon, vous voyez ça. Oh, Ryan. Vous voyez que ça vient bien, on retournera plus tard. Hein. On verra au prochain épisode ce qu'on a eu.
Chaque épisode, on viendra voir un peu les objets qu'on a eus. Je vous ferai. Ensuite, bon, pour la smelterie, rien de plus simple. Hop. Vous prenez de la lave. Vous remplissez le tank. Vous pouvez le remplir un peu plus, hein. Et comme vous pouvez le voir ici, hop, ça, il est chargé en fuel. Et on verra comment ça marche au prochain épisode, hein. Donc, je vous dis bisous à tous, bye bye!